Salut à tous amis, c'est Goz, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Rayman Legends sur Xbox 360, c'est parti, let's go, nouvelle partie, oui, continuez, et voilà, donc, on est tout de suite parti, on écoute cette petite cinématique d'intro. Il semble que les héros de la croisée des rêves soient sous l'emprise d'une puissance somnolifère mystérieuse. Ou alors mes petits chéris avaient juste besoin de faire un gros dodo. Pendant ce temps, les cauchemars se sont multipliés. Ils se sont répandus. Ils ont engendré de nouveaux démons encore plus stupides et terrifiants qu'avant. La croisée des rêves est en danger, mon ami. Va et réveille promptement nos héros de légende. Et certains vont me demander pourquoi je n'ai pas commencé par Rayman Origin. Tout simplement parce que j'avais pas envie. Je vais peut-être le faire dans l'autre sens, commencer par Rayman Legend et ensuite Rayman Origin. Tout ça pour le troll. Waouh, comment ça trash dès le début. Bref, en tout cas, on va se faire un petit let's play sur Rayman, bien sympa, parce que les jeux Rayman, celui-là, j'ai déjà commencé à y jouer, mais il est vraiment extrêmement sympa comme jeu, la plateforme est vraiment super bien faite. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Rayman est un jeu de plateforme édité par Ubisoft, bien sûr, avec le moteur graphique, excusez-moi. De Child of Light, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même moteur graphique que Rayman Legends. Donc voilà, je sais, attends, s'ils vont me dire non mais gars, en ce moment il y a beaucoup de jeux Ubisoft sur ta chaîne. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas payé par Ubisoft, hein, non, je fais des jeux Ubisoft parce que tout simplement ils sont bien. Il faut reconnaître que Ubisoft fait des bons jeux. Tous, pas tous, hein, bien sûr. Assassin's Creed ne sont pas tous bons. Watch Dogs n'était pas forcément bon pif. Donc le principe, en fait, c'est de parcourir les niveaux, de sauver tous ces petits bonhommes-là. Ils nous donnent un cœur supplémentaire. Donc de sauver tous ces petits bonhommes, de récupérer le maximum de lucioles pour faire le meilleur score à la fin. Et donc là, comme vous voyez, il y a une bête qui nous bloque le passage. Donc, pour qu'on puisse passer, on tape cette bête avec notre fidèle acolyte qui nous suit, et on peut passer. On tape l'œil de la créature. Qu'est-ce que c'est que ça? Un trampoline qui nous envoie de l'autre côté, en second plan. Oh merde. Donc, je me concentre un peu plus. Hop, voilà. Et là, vous voyez, on peut récupérer quelque chose. Sous terre, voilà, parfait. Donc du pur Rayman, hein, de la pure plateforme. Tac. Tac. Donc il faut toujours aller voir plus loin s'il n'y a rien de caché. Apparemment, là, il n'y avait rien de caché. Voilà, on poursuit le niveau. Et là, donc, notre acolyte nous sert pour passer. Nous coupe les cornes, nous ouvre le passage. Alors, je vais essayer de vous montrer du beau gameplay quand même. Pas faire des trucs trop dégueulasses. Mais bon, vous savez, hein. Certains jours, j'ai deux mains gauches. Ah, j'avais pas vu celui-là, il était bien caché. Hein. Hop. Oh là là, le mec. Bon, ça c'était le fail. Enfin, je m'étais déjà fail quand j'avais essayé le jeu. Je m'étais déjà fail sur cette partie-là.
Donc là... Venez par là. Ouh là là, j'ai failli me le faire écraser sur la tête. Voilà. Déplacer la plateforme. Donc oui, ça c'est le premier niveau. Hein. Pas super dur. Mais bon, quand même, il montre bien les principes du jeu. Donc là, on maintient LB ou RB pour faire tourner la roue. Donc c'était RB. Ouh, j'ai chaud. Paf. Et voilà, un passage secret. LB ou RB pour faire tourner la roue. Donc on va s'accrocher à cet anneau. Faire tourner la roue comme ça. Ensuite... Putain, je vais me crash là, je vais me louper. Ouais, je me suis loupé. On va retester. Donc ce qui est bien, c'est que ça ne nous fait pas perdre de vie, je crois, ou quand on meurt comme ça. Putain, mais qu'est-ce que je suis mauvais. Parce que oui, je suis toujours à 423 petites lucioles. Hop, donc là on recommence. Très bien. Excellent. En fait, c'est qu'on va faire ça. Le faire remonter un peu. Pour permettre à Rayman. Voilà, parfait. Excellent. Ah, ils ont donné un nouveau cœur. C'est vrai que l'autre cœur, je l'ai perdu bêtement. Vraiment bêtement. Hop. Ah, pardon. Je n'ai pas encore tout récupéré. On a récupéré une pièce qui nous donne plus de petites lucioles. Là, on va les appeler lucioles parce que j'en ai aucune idée comment ça s'appelle dans le jeu. Donc on va inventer quelques noms. Alors, là. Oh, bien. Misère. Attendez. Putain, deux fois de suite. Mais j'aimerais bien aller à gauche quand même. Ah ouais, c'était pas plus compliqué que ça en fait. Je cherche toujours la complexité dans les jeux, mais en fait non. Non, ce qui a le plus simple, c'est ce qui marche le mieux. Ça me semble un peu logique aussi. Hop, passe là-dessus. C'est qui ici? Je sais pas si certains l'avaient vu, mais dans le dernier épisode de Mad Dobby Soul Suspect, donc le 3, j'avais caché. Enfin, c'était pas vraiment caché. Mais j'avais mis quelques petites images de Rayman pour vous montrer ce que serait la prochaine série. Si certains l'ont vu, je leur dis bravo. Ils ont l'œil. Enfin, c'était pas si caché, hein. C'était pendant une seconde, ça va rester deux fois ou trois fois, je ne sais plus. C'est... Putain, c'est un peu moins évident de parler là en même temps. Oui, ça c'est le premier niveau quand même, ça. Ça te met directement dans le bain. Tiens, mange. Voilà, et là nous sommes à l'arrivée à la fin du niveau. Tu viens de rencontrer Murphy. Plus 10 machin uplay. Donc alors, déjà, coupe de bronze, coupe d'argent, un ticket à gratter. Ah, on est presque à la coupe or. Très bien. Excellent. Là, vous, aussi entre les dans les temps de chargement, on peut sauter, récupérer des trucs. Mais il n'y a rien. Yeah, nous venons de finir le premier niveau.
avec 9 9 bonhommes en tenue de détenu. Alors, on voit Y ouvrir la valise, donc là on a le bazar où on voit un peu toutes les statistiques, le classement. Donc le classement un peu, le ticket surprise qu'on va gratter, notre premier ticket surprise. Donc, allez, on gratte comme ça. On va gagner, je pense, des... J'ai gagné 500 lums. Donc voilà, ça s'appelle des lums, les petites bêtes jaunes. Très bien. Voilà, galerie des héros, galerie principale. Donc là, on est parti pour le deuxième niveau, le château hanté. Let's go. Là, vous voyez, on peut essayer de choper cette fiole de vie, mais j'ai pas réussi à la choper pendant les phases de chargement. On a déjà gagné un premier cœur. On a sauvé. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des bagnards. Toujours dans une phase. Comment on appelle ça? Du tutoriel. Hein. Là, faut faire gaffe, il y a une machin qui va me revenir dans la tronche. Ça passe au suivant. Ça passe aussi, hein. Ouf. Mince. Ah, ça c'est bon. Oh oui, c'est beau ça. Oh oui. Ça va, aujourd'hui je joue plutôt bien. Je vais vous l'avouer les amis. Aujourd'hui, je suis pas mauvais. Il y a des jours où c'est pire. Là, vous allez me dire, mais gaz, ce n'est que le début du jeu. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Ce n'est que le début du jeu. Ah ouais, ouais ça j'ai réussi la dernière fois. Donc on voit, sur la main, il y a des pics, main pique, l'étoile des pics. Ok. En fait, il faut juste, c'est de la plateforme, faut pas monter sur les pics. Si on monte sur les pics, on meurt. Mais sauf que le truc c'est que ça arrive qu'au dernier moment. Il me semble qu'il faut aller tout en bas. Voilà. C'est ça. Hop, on délivre le bagnard. Le roi bagnard. Le roi bagnard. Le roi bagnard. Hop. Il nous donne un nouveau cœur de plus, même si on l'avait déjà. Même si on avait déjà un cœur. Encore un autre cœur là-haut. Ouais, au niveau des cœurs, ils sont pas radins du tout. Hein. T'en as autant que tu veux. Par contre, là, je suis un peu emmerdé. Sinon, ça se trouve, il y avait des trucs bien. Je voudrais pas les perdre. Ah, il y a une pièce. Attends que le truc reparte. Putain. Ah merde. Je voudrais pas mourir. Oui. Non, je crois que j'ai eu la pièce. Genre il a été projeté contre la... contre la hache. Oh merde. Hop, on se replanque. Bon bref, je n'y arrive pas. Non, mais je voulais pas faire ça. Hop, j'ai pas réussi à choper cette pièce, no problème. On poursuit. Ah, je fais que des conneries. Aujourd'hui. En fait, je joue bien, mais à certains moments, je joue extrêmement mal. Donc là, bien sûr, faut faire gaffe. Oh merde. Voilà, exactement ce que je... Là, je vais me faire bouffer, définitivement, pour pouvoir revenir ici. Et pour pouvoir essayer de rechoper... Voilà, ce cœur supplémentaire.
Et si on est assez rapide, on peut avoir cette pièce. Mange. Donc là, je vais aller en bas. Ici, même. Aller choper la pièce. Tac. Oui, je connais un peu les premiers niveaux. Hein. Pouf. Repouf. Repouf, pouf. Oh merde. Bien joué. Compte ici, j'y avais jamais été. Hein. Je redécouvre des passages secrets avec vous quand même. J'aime pas un niveau comme ça. Un roi bannière de plus. Oh, bien joué. Hop. Je vois qu'il y a quelque chose de planqué en haut. Eh oui. Ah, pardon. Eh oui. Je vois que là-bas, il y a encore d'autres trucs. Oh oh! Eh bien, dis donc. Oh oh! On leur a piqué la pièce. Merde. Bon, j'ai pas pu aller chercher celui-là et je n'y retournerai pas. Je peux pas non plus choper celui-là. Hop. Je peux pas non plus tout réussir à prendre. Je suis désolé. Je vais faire que je remonte en haut. Je ne pourrais pas. Ouais, on n'a pas réussi à tout avoir, mais bon. Mais bon. Je fais des bêtises. Je joue mal. Oui, ça c'est bien joué. Il nous en manque deux. Ouf, mange. Ah. J'adore le bruit qu'il fait. Ouf. Paf, change de niveau, enfin, on vient sur l'avant du jeu. Attendez, laisse-toi tomber. Ah, une pièce ici. Une pièce qui était bien planquée. Paf, 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 et nous voilà à l'arrivée. Alors, 670 l'argent, le ticket est gratté, et même la coupe en or. Pas mal pour un début. Donc là, toujours.
C'est dans le grand niveau Petit Z en détresse. Alors. Félicitations, tu as débloqué le royaume des crapauds et les petits êtres ont besoin de toi là-bas. Allez voir. Alors. Tiny Strubber. Toad Story. Petits êtres en détresse. Le royaume des crapauds. Mais nous, on retourne aux petits êtres en détresse. Donc apparemment, ça, là, cela, ce truc-là qui est par terre, c'est des petits êtres. Donc nous, on va ouvrir... On va aller gratter un nouveau ticket surprise et on va arrêter l'épisode là pour cette fois-ci. Je viens de gagner une créature. Youpi! On va aller voir cette créature, la Moraf. Enfin, le ou la Moraf. Créature. Allons voir sa galerie principale. Ah, effectivement, il y a une créature qui vient d'apparaître. Un Moraf, c'est tout moche. Ça ressemble à rien, on dirait une tranche de pain de mie. On peut même le taper. Les toasts. C'est un toast. Très bien. Alors donc les amis, c'est ici qu'on va se laisser pour ce premier épisode sur Rayman Legends. J'espère que ça vous a plu en tout cas. 6. Il y a 60 créatures à gagner en grattant un ticket surprise. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et un petit commentaire. Et bien sûr à partager cette vidéo avec tous vos amis. Donc nous on se retrouve très vite pour le deuxième épisode de Rayman Legends. A bientôt les amis, c'était Ghost. Bisous, bisous, portez-vous bien.